Non, vous arrêtez de filmer là. Ah bah non. Arrêtez de filmer. Alors, là, bah, pour rigoler. Vous venez de me dire que j'avais le droit de sortir et de filmer. Vous venez de me dire ça à l'intérieur. Vous allez quitter le périmètre de sécurité. De toute façon, on va vous mettre hors zone. On va vous mettre hors zone. En fait, on est venu pour venir sur le terrain ici. On voulait se mettre avec nos enfants sur le terrain ici parce qu'on n'a plus la solution, parce qu'il nous a expulsé de Carquefou. On est venu ici, on n'a pas utilisé la force, rien, on voulait négocier. Et ils ont sorti les pistolets pour nous agresser et nous faire peur. Nos enfants, ils étaient presque à faire une coma parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes avec le cœur. Quand ils ont vu leur papa agressé avec le pistolet, il est tombé. C'est quoi ça? On est des humains, non? On est la fraternité, égalité en France. Voilà, on va pas être traités comme des chiens. Parce qu'on est au moins 150 enfants, même des adultes. Beaucoup, on est ici. Vous pouvez filmer les caravanes. On a marre. On a marre de changer à chaque fois l'école. On a marre de changer les lieux. S'il vous plaît, de trouver une solution au moins pour nous. On est aussi des humains. Voilà. Elle a appelé la police pour nous taper. C'est pas la terroriste. Les enfants, ils ont marre aussi pour l'école à changer à chaque fois. Quand ils se fassent les amis, ils changent à chaque fois les amis, l'école et tout ça. Ils sont durs pour nous. On est aussi des humains en fait. On n'est pas des chiens se traiter comme ça. Voilà, on est ici calme. Voilà, c'est mieux qu'ils nous disent une fois qu'on va être chez nous et puis qu'on reste. Voilà. Parce que là, en fait, on a marre. On va pas partir d'ici. On n'a plus le choix d'aller à un autre terrain. On ne sait pas si un autre terrain il va nous accepter. Avec les enfants, on refuse de partir. On dort plus, on peut plus dormir à cause de ça, avec le stress, on se réveille le matin. Et puis on ne sait pas si on va partir le lendemain, on va partir. Nous, on est avec tout le monde. On fait une prière, une demande chez le préfet et le maintenant de métropole qui fasse une exception pour les enfants et tout ça, qui me reste au moins jusqu'à il va venir l'été pour les enfants et tout ça, parce qu'avec le temps aussi c'est pas facile pour les familles, alors qu'il y a des familles qui n'ont aucune voiture, qui n'ont aucune possibilité de prendre leur caravane et leurs enfants. On ne sait pas où on va y aller. C'est ça le problème. On sait pas où on va y aller. Et il y a aussi des personnes malades, des personnes handicapées. On fait comment avec eux? On va y aller où? On va dormir dans la rue? C'est ça qu'ils veulent, quoi. Comment?
s'aperçoit que vous aurez trouvé ça, vous commencez à partir, on laissera les autres caravanes partir également. Et vous parlez avec les polices pour nous laisser tranquille, pour trouver un terrain. Pas avec des dangereux comme ça, comme celui-là. Ah bah non, sûrement pas. On est bien d'accord avec nous. Si on va trouver un terrain tranquille, pour nous laisser. Parce qu'on n'a pas des choix, on va aller où? On va aller pour nous tuer. Combien on va vivre quand même, chef? On va vivre quand même. Tout à l'heure, il nous voulait nous tuer. Tout à l'heure, il a tué mon frère, mon fils, de ma femme. Il a sorti tout de suite. Oui, madame, ça fait 15 fois que vous me dites, j'ai entendu. Et pour moi, je croyais qu'il tue mon frère. Non, mais ça fait chaud, c'est bon, j'ai entendu. On va voir ça avec l'avocat, parce que je connais bien le ministre. Votre avocat va faire ce qu'il faut. Demain, il va faire, oui. C'est la mission, il va le faire. Est-ce qu'on est agressif? Vous nous trouvez agressif? Pas du tout, la femme, vous avez dialogué avec moi. Pourquoi ils sont sortis les... C'était pareil, lui. Je n'étais pas là au moment où ça s'est passé, monsieur. Et pourquoi il est des polices? Pourquoi il ne met pas le pistolet là-haut? Il est enregistré sur le téléphone, on peut vous porter une plainte. Très bien, pourquoi il est agressif? Mais vous déposez plainte demain avec la vidéo? Et la personne s'expliquera ou pas? Il y a personne qui est mort. Personne n'est mort, il n'y a pas eu d'accident. Vous êtes senti menacé, ça je peux comprendre. Ça je peux comprendre, vous vous êtes senti menacé. Ça je comprends bien, pour l'instant. Voilà, ce qu'on cherche. On va voir avec l'avocat. Oui, bien sûr, bien sûr. On trouve des solutions. Il y a des gens. Regarde, nous, tous, on est normal, on est pareil. Il ne faut pas faire des pressions comme ça. Une policier qui a des facultés. Donc, on étudie, il ne faut pas penser comme nous. Nous, on est de la mentalité comme ça. À cause de la peur, on peut accélérer de lui faire un accident, de mourir. C'est lui qui l'a provoqué. C'est lui. C'est pas normal, ça. Heureusement, personne n'a été blessé. Voilà. D'un côté ou de l'autre. Eh, qu'est-ce que je voulais, moi, pour pas travailler de police tout le temps. Docteur, prenez la chaise, opérer. Il attend la réponse. J'attends la réponse. Car le chef, il est entre moi. On va voir ça. J'ai pas peur. Chef, vous avez... J'ai une maison, j'ai des enfants. Vous avez un lit. J'ai des enfants aussi. Bien, quand vous entrez à la maison, vous couchez bien. Et pensez à nous. On n'a pas mis de couverture pour dormir. Je suis là. C'est pas bien. Je suis là. Vous n'avez pas un bon cœur pour les personnes. Je râle un peu. Vous avez aussi 10 enfants. Non, je dis à la police. Il n'y a pas un bon cœur. Pourquoi les policiers? Vous pensez que les policiers... Parce que c'est lui qui a fait. Mais pourquoi? Madame, pourquoi sur un policier vous jetez... Vous dites que tous les policiers sont méchants. Tous les policiers, c'est la même. Elle a fait bloquer le route. Moi aussi, à ce moment-là, vous mettez comme eux. Et pourtant, je discute avec vous. Elle a bloqué la rue pour ça. Même chez vous, il y a des gens qui sont en colère et puis il y en a d'autres qui attendent gentiment. Allez, éloignez-vous. Parce que je vous demande de vous éloigner. Je vous demande pas d'arrêter. Vous êtes sur une route. Descendez.
était avec moi tout à l'heure, qui a discuté gentiment, et puis oui, on vous est où? Ben non, vous pouvez venir avec moi, on va discuter avec avec le monsieur. Aussi, on est là, oui. Vous êtes avec moi, monsieur? On va discuter tranquillement, ne vous inquiétez pas, il vous relaiera l'information, d'accord? C'est qu'on puisse discuter tranquillement. Oui, d'accord. Nos enfants, ils dorment la caravane. On dort la voiture. Nous, tous les Romains, on reste ici. La route. Jusqu'à trouver une solution. Le préfet, il va trouver une solution. Ils ont des terrains. Comme aujourd'hui, ils sont arrivés avec beaucoup de gens. On a l'accès. Ok, d'accord. Parce que tout à l'heure il a dit, il a des terrains, on ne peut pas parce qu'il y a. Parce qu'ils sont murés, parce qu'ils sont. Voilà. Oui. Pour éviter que les gens. Pour travailler tout le monde, même avec les mains, on pourra. Oui, non, oui, mais j'entends bien. Oui. Attendez. Monsieur au téléphone, c'est définitif, vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas aller sur les terrains qu'on vous propose pour non, cette. Non. On est d'accord. Définitif, vous voulez rester quelques là. Quelques mois. Vous voulez rester là ce soir. Jusqu'à ce qu'on vous donne. Mais je t'en prie, c'est d'accord. Vous comprenez. On est là. S'il vous plaît, pensez à nous, le chef de la préfecture.
trouvé. Faut pas finir quand c'est rien, ça. Quel tour là qu'on risque pour les touristes ici. Vous pouvez attendre ici aussi. Moi, je l'attendrai avec vous. Je serai là jusqu'à demain matin, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me relever. Bonjour. Et si on porte le vol, vous avez trouvé un accès provisoire sur lequel vous ne pourrez pas rester. Je vous préviens déjà en disant voilà, malheureusement, j'ai juste une solution, on va dire, de secours ce soir pour éviter que vous restiez. Comme si j'étais un super-héros. Merci le copain. Malheureusement, ça va être ça. Malheureusement, ça va être ça. Ça va être que des sauts de puce, malheureusement. Il ne faut pas nous déranger. Si on va trouver une solution. Parce que lui, il ne veut pas trouver la solution. Nous, on va trouver la solution. Ça n'est pas pour la solution. Bon, allez, bon, je peux demander. On va aller pour la solution. Provisoire. Si on va aller là-bas, provisoire, ça sert à rien. Quand vous restez ici, on reste là-bas, c'est pareil. Il faut que vous donniez, vous engagez la mairie. Quelque part, parce que le terrain il est protégé a priori, il repart voir si. Vous êtes d'accord pour aller sur un oui. Sur un terrain où il va falloir quand même enlever les barrières pour pouvoir vous installer. Il n'y a pas de soucis, vous êtes d'accord? Oui, on est bien d'accord. Oui, oui. Enlever les barrières, ça se sent pas quoi. Qui se charge d'enlever les barrières et qui porte le chapeau après, ils ont le droit de le faire. Il y aura les effectifs ne vont pas le faire, mais ils vous accompagnent pour y aller. En fait, que j'ai mon volet pour en faire ici la guerre, je fais la guerre. Tu fais pas la guerre avec toi. Tout le monde, non, c'est pas pour nous. Eh, voyez ça avec vos collègues, c'est vos collègues qui nous ont envoyé ici. Tu touches à rien là. Tu attends. Rien à branler, moi, les caravanes. Mais pourtant, elles sont là. Viens, ça, tu n'as plus parlé, c'est ça. Eh, vois ça avec tes collègues, si t'es pas content, c'est eux qui nous ont envoyés ici. Toi, je te connais pas. En fait, ça fait 4 heures qu'on est avec les CAP à Saint-Herblain. C'est eux qui nous ont envoyés là. C'est toi, on va être si vous voulez. C'est pas si tu sais. Ils en veulent là. Donc, c'est tout de ma gauche et que tu te marres. Не за сару возьмешь. Bon, en fait, c'est ça, ils ont interdit aux journalistes de rentrer, donc les autres, et apparemment, ils sont tous dehors. Pourquoi vous ne trouvez pas un terrain pour pas déranger tout le monde comme ça? Vous venez toujours le même jour de l'exploitation. C'est le temps qui fait passer caravane. Ah, vous êtes chiant. Ah, ce que j'ai mouru là, madame, j'étais de la prison. Tout est mouru là-dedans, je vous la prison. Eh, voilà tous les polices à prison. On va faire rouler les caravanes pour vous. Vous n'avez pas le droit de toucher. Nous, on défend les enfants. Nos terrains pour ne pas partir d'ici. Vous êtes chiant. Moi, je l'ai pas dit. J'ai le droit de filmer, hein. Si, c'est autorisé. Pourquoi vous ne laissez pas filmer? Qui a choisi tout à l'heure?
Est-ce que c'est normal? Oui, vous avez des comptes à rendre, vous êtes pas un mercenaire. C'est normal. Par la gendarmerie, t'appelles ça, nous? Il est calé un peu avec votre police, votre C'est dangereux les caméras. Ouais. Non, s'il vous plaît, arrêtez maintenant. Allez, Ma... arrêtez. Vous êtes pas là. Ça change quelque chose ? Hmm ? Ça change quelque chose de problème ? Ouais, est-ce que ça change le problème des gens ? En tout cas, ça en rajoute pas. Bah, est-ce que ça se serait passé de cette manière-là si personne n'avait été là ? S'il y avait eu et que... sans caméra. Mais là, vous attendez pour vous... Ouais, je capte le son. Allô. On est passé pour la prochaine fois. Voilà, je suis à côté de chez vous, là, à la Seferti, là. On a 80 caravanes qui viennent de rentrer. Je viens d'appeler. Je n'arrive plus à soi-missionnaire. J'ai un collègue qui est sur place.
Qu'est-ce qu'il y a? Concha. C'est la police. Attends, calme s'il te plaît. Ok. Michel les connaît. On respecte. S'il vous plaît, doucement. Cool, Michel. Écoute, moi je suis avec ce qu'on connaît là. Il y a une association qui il y a trop là. Il faut que les gens ils partent. Moi il faut un engagement. Demain. Ouais, mais là, les gâteaux ils sont bons. Non, c'est pas le gâteau. Ça, c'est pas gâteau, ça, c'est association. Là, je suis avec Yann Domicou. Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse là? Dormitou, qui c'est qui veut parler à Yann Dumitru là? Et tu te débrouilles? Moi je veux que tout le monde s'en aille. Hein. Thomas, oui, Thomas. Le maire là, il n'est pas content. Hein. Dis-moi, je te passe ton chat. Lui, je vais trouver un terrain pour nous. D'accord, Dumitru. D'accord, Dumitru. Moi j'aurais bien aimé qu'il reste jusqu'à demain matin. Ce serait la guerre entre les policiers et les humains.